Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Rebonjour. Normalement, j'ai réglé mon son. D'un coup, c'est parti. Plus vite. Vous cherchez les ennuis? Non, très bien. Allez. Tout doux maintenant. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. S'imagine que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Plus personne me parle. Ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire. À condition d'être payé. Ne reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Ça pue la pisse. Et la vodka. On puise ou on puise pas. On peut pas faire de soupe. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, à savoir. Tu préfères aller à Galetas? Jamais de la vie. Je préfère tomber malade que de déranger un Robert m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorcereur qui chassait non loin pour lui poser des questions. Un saignement léger. Blessure superficielle. La piste s'arrête ici, mais je l'identifierai au plaid.
griffure de noyeur, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombée sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains, c'est les pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, ces nabos-là. C'est eux qui fourrent des épées au livre gardien pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison. Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu des outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Les nains sont peut-être âpres au gain, mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. Ah, ah oui, d'accord. Toudou, maintenant suis-moi. Allez, c'est... Vous cherchez les ennuis? Dervan, l'île gardien, grand-père de Nazaire. Ah, d'accord. Eh ben, brisons la main, Dervan. Puisse le soleil t'enchaîner le plus loin possible de mes terres. Et puis c'est tout. Il pleut, il mouille, l'empereur est mieux confouille. C'est cogné de la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera dans son. Ces histoires, c'est rien que des foutaises. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qui t'a appris cette chanson? Fabrique une fiati, je vais aller chercher l'ours. Plus jamais tu rechantes ces terres. Plus jamais. Et plus question d'aller jouer avec Chetty. Mais c'est mon meilleur copain. Chetty est fichu de tous nous faire pendre, oui. Si je te revois avec lui, tu le regretteras. Allez. Bon, ça, la misère à mettre le plein avant de l'autre. Fais passer à moi et à je bois là. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Un. Nap! Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, hey, soldat. Vous avez une minute? Non, Willis. Par pitié. J'étais sous. Je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, Maître Willis, on vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui, l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Oh. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Les villageois vont vraiment vous adorer après ça. Plus rien à foutre de ces cons. Vous savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens, comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre, apprendre les bonnes manières à ces rustres. Mais assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer deux ou trois choses. Mon enclume est en bon état, je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi, je vous ferai un prix. D'accord. Démon aux yeux de vipère. Donc là, j'ai une quête à 500 mètres. Moins. Voyons. Ah. Oh.
Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Un site d'énergie. Devrait y puiser. Oh oh. T'es où? Où est-ce que t'es? Vous allez le regretter. Mais voyons. J'ai rien fait. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les trois lunes. Terrain militaire. C'est possible. Pas de villageois sans autorisation expresse du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynlev est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas tout. La tour, c'est par là.
Daïs Grafian S. A. Anval. Et nous allons devoir réquisitionner par partie de votre récolte. Quelle quantité de grains pour fournir à l'âge? Regarde mes mains. Tu vois ces calades? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, parlerai-moi, moi, de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40-60. Normalement, ce serait plus, mais nos troupes, enfin, les Démériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30-60, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux revoir la couleur rapidement. Oh, merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Bien vu. Geralt de Rive, sorceleur. Je cherche Yennefer de Vengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Je vois, vous avez certainement dû commencer par les bases. Mains en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non, j'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. D'accord. Esuniakten. Oui. Oui. Oui, d'accord. Et les ennuis? Parer el Serid Esmar. Serid? Serid Serinkin? Je rêve pas, c'est un Vedimin. Mes frères ne voudront jamais me croire. Oh, j'ai mangé trop de prunes, j'ai mal au ventre.
Je vous dérange ? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi ? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. Je cherche du nerprin. On peut en trouver dans la région ? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerprin pour l'attirer. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon ? Le capitaine... Peter Saar quelque chose. Ah ! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort ? Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous ? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois. Là, au pas. Ablette. Quelque chose a bougé. Hein ? Y a quelqu'un ? Oui. Ah, c'est la dernière fois que je prête quelque chose, je le jure. Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que voilà le type que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas ? Ou même un peu de charbon ?» Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit.
Hey, j'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la-moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Vous... Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. Je pense qu'avec... Je pense que... Ah. Je pense que la porte pour commencer ça. Un cadavre. Un monocle avec toute la puanteur. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Père. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle. Pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ? Documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle ? Oui. Et madame ? Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Vous avez trouvé la poêle ? Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille trogne dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Bien sûr. Tenez, bien sûr. Pour la route. Ah, merci. Je vais me faire cuire un bon filet de poisson. Galop, Ablette. Oh, je l'ai pensé. Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Misla vient de partir. Vous êtes Misla? Vous avez entendu? Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux que les loups.
Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. D'accord. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés. Trop tard, ils ont encore frappé. J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez nous montrer l'endroit où vous avez trouvé les gardiens? Que savez-vous sur le griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour la connaissance de ma main. Je place la silence. Aucun griffon ne veut avoir entendre. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Il est le dernier, j'imagine. J'espère. Bonne chasse. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le griffon est venu gâcher la fête. Un campement. Le sol est noir, gorgé de sang. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens.
dans un let's play un ou deux ans. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Que le mien, ça prenait. Il y avait une quête pour ça. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Mm-hmm. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les nilfs gardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Seuls des humains ont pu faire ça. De la magie. C'est un site d'énergie. Sur Netflix, la saison 3 de Witcher est sortie. Et c'est pour ça que ça me donnait envie de jouer au jeu. Qui le monde est, il trouve que la saison 3 est pas super. Mais perso, j'ai aimé la première saison, la deuxième j'ai trouvé encore mieux. Ok, la troisième il y a moins d'action, mais ça reste quand même une bonne émission. Pas toujours avoir l'action. Stop. En avant. Il y a des hauts et des bas, c'est normal. Ce champ de l'autre côté de la rivière. Ah, ça, c'est le champ de Boyan Klinik. C'est un bon gars, maître sorceleur. Il y a encore du temps avant la récolte. Bah, c'est pas comme s'ils pouvaient lui recoudre la tête. Il paraît qu'ils ont déposé le corps en secret dans une crypte. Qu'y a-t-il, loup blanc ? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs ? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi ? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les nilfs gardiens ont brûlé la forêt,
tue la femelle et détruit les œufs. Il pensait avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerprin. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre à trouver un endroit pour l'entendre, Gège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet, il y avait des champs de l'autre côté de la rivière. Personne ne regarde rien déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. D'accord. Potion de tonnerre. D'accord. Appuyez sur le retour en arrière. R.O.F. D'accord. Je suis niveau 2. J'ai déjà joué il y a quelques années. Mais j'avais pas toutes faites les quêtes, hein, tellement. Ça, j'ai eu envie de rejouer quand j'ai vu la saison 3 là, sur Netflix. Pas toutes vues, quelques émissions. Mais
si maintenant je veux faire... Attends. Si je fais celle-là... Je fais... Espoir, suivre la quête. Si je veux suivre celle-là... Mais je crois qu'on va s'arrêter ici pour la deuxième épisode. Ça fait 45 minutes déjà et on recommence. Au contrôle. Oh, à tout à l'heure. Bye bye.